Please welcome the director of the film, Emmanuelle Bercot. Good evening. And Nicholas Elliott will be helping us with translation. So I'll start with a couple of questions before opening it up to the audience. Maybe you could just start by telling us, because we showed your previous film here, Absolve, as part of Rendez-Vous. This, in many ways, seems to be quite a different kind of project. Could you say a little bit about how you found your way to the subject of troubled youth, and also deciding to make a film not just about him, but about the system that surrounds him? Bah déjà, avec ce film, j'ai eu le sentiment de revenir à un cinéma qui m'est vraiment plus proche, parce que mon premier court-métrage avait un sujet social, et après, ma route a pris d'autres chemins, et avec ce film, j'ai eu l'impression de revenir un peu à ce qui me préoccupe vraiment. With this film, I had the feeling of getting back to a cinema that's closer to me, because already with my first short film, that film had a social theme, and then my path kind of took a different route. So here I feel like I'm getting back to something very close to me. Et l'idée de ce film, elle remonte à, je pense que ça fait très longtemps que j'ai envie de traiter de ce sujet, mais sans vraiment en être consciente. I think the idea for this film goes back a long time. I've wanted to deal with this subject for a very long time, but without really being conscious of it. Parce que j'ai un oncle qui est éducateur pour délinquants, c'est-à-dire comme le personnage masculin dans le film, il fait ce métier-là. Because I have an uncle who's an educator for delinquent youth, like the male character in the film. My uncle does that job. Et quand j'avais 8 ans, il faisait un camp avec des garçons délinquants qui avaient entre 12 et 16 ans, tout près de là où je passais mes vacances chez mes grands-parents. And when I was 8 years old, my uncle ran a camp for delinquent boys who were between 12 and 14, very close to where I used to spend my vacations at my grandparents' place. Et j'ai été passer une journée avec lui, et en fait, j'ai assez peu de souvenirs d'enfance, mais cette journée-là, je m'en souviens très bien. J'avais été d'abord très frappée de découvrir des enfants qui n'avaient pas la chance que j'avais d'être protégée et éduquée. And I went to spend a day at the camp with my uncle, and I have very few childhood memories, but that day I remember very, very well. First of all, I was struck to discover children who hadn't had the luck I had had to be protected. Et puis j'ai aussi découvert ce métier qui était que des gens se substituaient aux parents pour essayer de remettre des enfants dans le bon chemin. And I also discovered this profession, which was that people would step in to replace parents and try to put children on the right path. Donc j'ai été voir, quand j'ai commencé à écrire ce film il y a longtemps, il y a 5 ans, j'ai été passer du temps avec mon oncle. Il m'a raconté énormément d'histoires, et notamment une qui m'a frappé plus que les autres. So when I started to write this film quite a while ago, 5 years ago, I went to spend some time with my uncle, and he told me a lot of stories, notably one story that struck me more than the others. L'histoire du film, c'est une histoire qui est totalement inventée. Mais ce qu'il m'a raconté et qui m'a permis de trouver la voie pour ce film, c'est qu'il était devenu très proche d'un délinquant qu'il a suivi pendant 10 ans, avec une juge des enfants très proche de la retraite. Et en fait, c'est l'idée de ce trio qui a été pour moi à l'origine du film que vous avez vu. The idea and the story for the film is entirely fictional, but what my uncle told me about that was very important is that he had become very close with a delinquent boy, and he had followed him for 10 years along with a children's judge, and it was that idea of a trio that inspired the film that you just saw. In addition to
speaking to your uncle and these childhood memories that you talk about, I'm wondering if you, what the research process was like. It is a film that is full of so many details and very specific in terms of the characters and the processes, you know, the hearings and the roles of the counselors and the various different kinds of facilities that we see the boy going to, and wondering if you, I assume there was a long and involved research process, and hoping you could talk a little bit about that. Bah, oui, c'est même ce qui était passionnant pour moi dans, dans la, la réalisation de ce film. Yes, in fact, that's what was really fascinating for me in making this film. La justice des mineurs, je ne sais pas comment c'est ici dans votre pays, mais en France, c'est évidemment une justice qui se déroule à huis clos, qui est extrêmement... Enfin, personne ne sait comment ça se passe. I don't know what it's like for you here in your country, but justice and the courts for children in France is something that happens in a completely sealed off environment. No one gets in and no one knows what really happens. Et je ne pouvais pas en fait décrire une institution sans faire un travail vraiment de comme un journaliste en fait, un travail d'approche documentaire très très précise. But I couldn't describe an institution without doing the kind of work that actually a journalist does, which is to research in a very, very precise way. Et on a eu vraiment la très grande chance que des tribunaux pour enfants nous ouvrent leurs portes, et j'ai pu faire avec ma co-scénariste un très, très long stage d'observation. And we had the extreme good fortune that certain children's courts opened their doors to us, and my co-screenwriter and I were able to spend a long time observing what went on there. On a passé beaucoup de temps dans les bureaux des juges pour enfants, mais également dans les centres que vous voyez dans le film. J'ai passé aussi du temps dans ces centres et auprès des éducateurs. Voilà, parce qu'on ne peut pas, quand on traite un sujet pareil, ne pas être totalement fidèle à ce qu'est la réalité de cet univers-là. We spent a lot of time in the courts, but we also spent a lot of time in the kind of centers that you see in the film with educators, because you simply can't make a film on this kind of subject without being extremely faithful to reality. Were there certain things that you discovered in the research process? I wonder if maybe if there's anything specific that you felt informed the script, or the certain impressions that you took away from, whether it was the kids or the people who, the social workers or the educators or the judges. Was there anything that really shaped the film? Oui. C'est-à-dire, moi, je suis comme, j'étais comme vous, les spectateurs, aujourd'hui. Je ne connaissais rien du tout à ce monde-là. Yes, I mean, the fact is, I was just like the people watching the film today. I knew absolutely nothing about this world. Et je travaille toujours de façon très instinctive d'abord, et j'écris sans trop savoir, et bizarrement, souvent, je tombe assez juste. I work in a very, very instinctive way at first. At first, I write without knowing anything at all or not knowing much at all. And bizarrely, I frequently wind up hitting the right note. Mais après ça m'a effectivement... En fait, mon stage d'observation ne m'a pas fait changer des scènes ou de la narration, mais ça a énormément nourri l'intérieur des scènes dans des choses très très précises de détails. But after that, once I had observed for a long time, that process didn't change the narrative or scenes, but it was extremely enriching to the interior of scenes, to specific details, very specific things. Et puis je dois dire que moi j'ai dû apprendre un petit peu le code pénal, parce que je ne pouvais pas raconter n'importe quoi. Il fallait que je sache s'il faisait ça, quelle était la peine qu'il pouvait prendre, quelles étaient les différentes alternatives. En fait, il y a toute une partie technique que j'ai dû apprendre un peu comme si je faisais des études de droit. And I have to say, I kind of had to learn the penal code because I couldn't just make things up. You know, if he did a certain thing, I had to know roughly how long he might be sentenced for. I just couldn't make those things up. I had to kind of become a technical, I had to have a technical knowledge as if I was studying law. Alors,
je dois dire que le personnage de la juge interprété par Catherine Deneuve, il est très nourri de trois juges que j'ai pu observer. Et en fait, j'ai mélangé des caractéristiques de ces trois juges pour incarner le personnage de la juge du film. I also have to say that the character of the judge played by Catherine Deneuve is very informed by three judges who I observed. And I kind of took from the three of them to incarnate this character in the film. Et alors, il y a une dernière chose, c'est que le personnage de la mère, je voulais qu'il soit assez... je voulais pas qu'il soit caricatural, mais je voulais qu'il soit quand même assez costaud. Mais j'avais peur que ce soit un peu too much. Et en fait... Eh ben, en observant les parents et surtout les mères dans le bureau des juges, je me suis aperçue que finalement j'étais très soft par rapport à ce qui existe dans la réalité. And there's one more thing to say, which is that the character of the mother, I wanted to make sure that she wasn't a caricature, but at the same time I wanted it to be pretty tough, pretty out there. And I noticed once I was observing parents in the judge's office that actually my rendition of that character was quite soft. It was not too much at all. Before I open it up, I'm sure there are a lot of questions from the audience. I do want you to talk a little bit about your actors. It's a remarkable cast. Obviously, Catherine Deneuve, you had worked with on your previous film, but you have two, I think, great actors in Benoît Magimel and Sara Forestier, and also your discovery, Rod Paradot. And I should point out as well that at the actors did very well at the recent César Awards, with Rod Paradot winning, I think, the Best Newcomer Award, and Benoît Magimel winning Best Supporting Actor. Yeah. So can you say a little bit about putting these actors together and working with them? Mais je me suis posé une vraie question avant de... Bon, le film, je l'ai écrit... Enfin, le personnage de la juge, je l'ai écrit pour Catherine Deneuve. Mais quand on s'attaque à ce genre de sujet, on se demande toujours s'il ne vaut pas mieux prendre des inconnus pour que le film soit plus crédible, plus réaliste. Donc je me suis vraiment posé de la question de prendre des acteurs connus pour les autres personnages. So I wrote the character of the judge for Catherine Deneuve. But aside from that, when you tackle this kind of subject, you really ask yourself whether it wouldn't be better to take unknown actors to make the film more credible, more realistic. So I really struggled with this question of whether I should take famous actors for the other roles or not. Alors pour Benoît Magimel, c'est particulier parce que j'avais envie de travailler avec lui depuis très très longtemps et que c'est la première fois que je pouvais vraiment lui proposer un rôle, et disons que mon désir de travailler avec lui a pris le dessus sur cette question, sur cette crainte que j'avais. So for Benoît Magimel, it was a little bit particular because I'd actually wanted to work with him for a very, very long time, and this was the first time that I really had a role that I could offer him. So my desire to work with him kind of overruled this question about famous or not famous actors. Et pour la mère, pour Sara Forestier, j'ai longtemps cherché une femme qui ne soit pas actrice. Et au fur et à mesure du casting, des séances de travail, je me suis aperçue que le rôle était... parce que les scénarios, quand je les tourne, ils sont très écrits, et j'aime bien qu'on dise vraiment les choses telles qu'elles sont écrites. Et je me suis rendu compte que c'était quand même... il fallait des qualités vraiment de performance d'actrice pour arriver à composer, parce que c'est un rôle de composition, et que voilà, il fallait que je prenne une actrice qui avait ce talent-là. As for the mother, who's played by Sara Forestier, at first I did look for a non-professional actress, someone who wasn't an actress, but as we went through the casting sessions and the working sessions, I realized that I'm someone who writes very detailed scripts, and I do like people to say exactly what's written, so I realized through this work that I really needed someone who could give an actress's performance, who had the qualities of an actress to bring to this part. Et en revanche, pour le jeune garçon, quand on fait un film comme celui-là, on a envie de découvrir quelqu'un. Donc là, j'ai jamais songé à chercher un jeune acteur qui avait déjà fait du cinéma ou qui avait déjà une expérience. However, for the young boy, when you make a film like this, you really dream of making a discovery. So I never considered looking for a young boy who had already been in films, who was already an actor. Et donc Rod Paradot, il a été trouvé dans un lycée professionnel, il faisait de la menuiserie.
So we found Rodparango in a vocational school. He was studying woodworking. Mais je dois dire que j'ai énormément hésité à le choisir parce que il était très. En fait, je cherchais un garçon qui soit très proche du personnage que j'avais écrit et je ne l'ai jamais trouvé. I have to say though, I really hesitated to cast him because I was looking for a boy who would be very, very close to the character that I wrote, and I never found that boy. Et donc j'ai déjà travaillé très souvent avec des adolescents qui n'avaient jamais tourné, mais là c'est la première fois que j'ai eu en fait à d'habitude je choisis les adolescents et je leur demande d'être eux-mêmes à l'écran, et là c'est un vrai travail d'acteur qu'on a dû faire ensemble parce qu'il est très 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 loin du personnage qu'il incarne. I've often worked with teenagers in my films, and they were always more or less playing themselves. And this is the first time where really the young boy is with me doing an actor's job. We really had to create a character because that boy is very, very far from the character in the film. Throughout, just one more question for me. Throughout your career, you've gone back and forth in front of and behind the camera, and you've acted in films as well as directed them. I mentioned in the introduction that we are showing the film for which you won the Best Actress Prize at Cannes last year, by Mai Wen, My King, later this week. And I was wondering if you know, as an actor, a director and an actor, how does that inform your own working with actors? Do you have a sense of how that affects your relationship with actors when you are directing? I know you've also directed yourself, which I think you did in your first feature film. Moi, je ne sens pas... Moi, je pense que tous les réalisateurs devraient être acteurs, ou en tout cas être capables de l'être. Personally, I think that every director should be an actor, or at least should be able to be an actor. Maintenant, je ne sais pas comment ça agit dans mon travail de metteur en scène, le fait d'être aussi actrice. Ce que je sais, c'est que les acteurs disent toujours que pour eux, il y a une qualité supplémentaire à être dirigé par un metteur en scène qui est aussi acteur. Donc, c'est effectivement, je reconnais qu'il doit y avoir quelque chose, une fibre supplémentaire, mais je ne sais pas très bien l'identifier. Now, I don't know what the fact that I myself am an actress brings to my directing. I just know that actors do say that there's an additional pleasure to being directed by a director who is also an actor. So there must in fact be some additional touch, some something, but I don't quite know how to identify it. Je crois que beaucoup de metteurs en scène ont peur des acteurs. I think a lot of directors are scared of actors. Et que moi, ils ne me font pas peur du tout. Et que donc, je suis très très franche dans ma façon de leur parler, même quitte à être vraiment très, très dure, mais je crois qu'ils apprécient aussi le fait de sentir qu'on est sur un pied d'égalité et que je ne les regarde pas comme si c'était des petits êtres fragiles. But I'm not scared of actors at all, and I think they appreciate the fact that I can be very, very frank, even if sometimes that means being harsh. I think they appreciate that on some level we're on an equal footing. We're equals, and I don't look at them as if they're some kind of special little fragile being. Great. All right, we're going to take some questions from the audience. Yes, I see a hand there. I'll repeat the question. This viewer was struck by the compassion of the judges in the film, and whether this was something that you discovered in the process of researching it. Non, je vraiment le film et d'ailleurs, bon, évidemment, en France, beaucoup de tous les gens, pas tous peut-être, mais beaucoup de gens qui travaillent dans l'univers de la justice des mineurs ont été voir le film. Et ça, ça a été vraiment unanime pour eux, ça reflète la façon dont ça se passe. No, in France, maybe not everyone, but most people who work in the world of children's courts and justice for children went to see this film, and for those who did see it, it's been unanimous that the film is an accurate reflection of how things go. Et donc, pour répondre précisément à votre question, oui, moi j'ai été très frappée du temps qui est consacré à ces audiences et aussi de la patience parce que on sort pas un enfant comme ça
de la spirale de la délinquance en 6 mois, ça prend énormément de temps. And so to answer your question more precisely, yes, I personally was very struck by the time that is given to these court sessions and different sessions. And you know, you don't get a child out of the spiral of delinquency in 6 months. Et c'est vrai que moi j'ai beaucoup d'admiration, je pense que, enfin, ça se sent dans le film parce que le film est aussi une façon pour moi de leur rendre hommage. I have a lot of admiration for these people. You can feel it in the film because the film is also a way for me to pay tribute to them. Parce qu'il y a plein de choses qui fonctionnent pas aussi, mais dont c'était pas pour moi le sujet du film. Because there are a lot of things in this system that don't work as well, but for me that's not the subject of this film. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que pour avoir donc passé énormément de temps dans ces endroits, moi, au bout de 5 minutes, j'avais envie de donner des claques et de m'en aller. Et que c'est pas 1 heure, c'est pas 2 heures, c'est 1 an, 2 ans, 10 ans. Et ils baissent jamais les bras. Et parfois, ils sont découragés, mais ils trouvent toujours la force, qui est en fait, moi, je trouve, de l'amour, finalement, de continuer. Et pourtant, dans un métier extrêmement ingrat. I can tell you for myself, having been in some of these audiences, after 5 minutes, I wanted to give the kid a couple slaps and just to leave. But for the judges, it's not 1 hour, it's not 2 hours, you know, it's 5 years, 10 years. They never give up. They find this strength, which, in my opinion, is also love. Any hands? Yes. Ah, okay. We'll go there first. Yep. A question about the success rate. Like, how many people are saved through the system? Bon, moi, je connais un petit peu les chiffres. Après, je sais pas à quel point ils sont fiables. I do know the figures to some extent, but I'm not sure how reliable they are. Ce que je peux vous dire, c'est que 80% des enfants, des mineurs qui passent par le bureau d'un juge n'y reviennent jamais. What I can tell you, however, is that 80% of the children, the minors, who wind up in a judge's office, never come back to that office. Et les 20% qui restent, je pense qu'ils réussissent à en sortir 10% de cette spirale de la délinquance. As for the remaining 20%, I think that they're able to get 10% of them out of the spiral of delinquency. Et qu'il y en a 10% qui malheureusement s'enfoncent dans la délinquance et puis finissent en prison dans le meilleur des cas. And unfortunately, that leaves 10% that just sinks deeper into delinquency and wind up in prison in the best of cases. Mais ce dont je peux témoigner, c'est qu'il n'y a pas de... Ça, je l'ai vu. Il n'y a pas de déterminisme social là-dedans. But what I can be a witness to, because I've seen it with my own eyes, is that there's no social determinism in this. Mais c'est toujours des histoires familiales extrêmement douloureuses et extrêmement violentes qui aboutissent à des enfants qui n'arrivent pas à s'en sortir. But it's always... extremely painful, extremely violent family problems and stories that lead to these children who have these problems. Ça, c'est 100% des cas. That's 100% of cases. We have time for one final question. So yes, here. The question is about your transition from acting, between acting and directing, and I think he's making a point about how difficult it is here and whether it is easier in France for actors to direct. Il y a un phénomène en France aujourd'hui qui est en train de devenir mais colossal. Tous les acteurs font leur film. There's a phenomenon happening in France right now that's becoming colossal in scale, which is that every actor is directing a movie now. Donc, je pense, attendez, parce que moi j'ai un cas qui est quand même très différent. Je pense que oui, aujourd'hui en France, quand on est acteur, c'est plus facile de faire un film que quand on vient de nulle part. So hold on, because my case is actually very different, but yes, I do think that today in France, it is much easier when you're an actor to make a film than when you're coming from nowhere. Moi, c'est très différent parce que moi, je ne suis pas une actrice qui est devenue réalisatrice.
In my case, it's very different because I'm not an actress who became a director. Je suis devenue une actrice qui galérait énormément et qui était surtout serveuse. J'étais une actrice qui galérait. I was an actress who was having tremendous trouble getting work and who was primarily a waitress. Et j'ai décidé de tenter le concours d'une école de cinéma qui m'a permis de devenir réalisatrice. And I decided to try to get into a film school, which eventually allowed me to become a director. Et en fait, moi, je me sens beaucoup plus réalisatrice qu'actrice. Actrice, c'est très ponctuel dans mon parcours. Et surtout, c'est venu une fois que j'étais déjà réalisatrice. Donc finalement, moi, c'est le phénomène inverse. I feel much more like a director than an actor, because ultimately, being an actress is something that just happens occasionally in my career, and at the end of the day, it's kind of the reverse. I'm a director who became an actress. All right, I'm afraid that's all the time we have for, but Emmanuelle Bercot, thank you so much for coming.